à ceux qui se joignent à nous. Merci d'être avec nous. Alors, si jamais vous avez des questions pendant la diffusion, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, on va donc changer la caméra de côté et on va aller voir les projets entrepreneuriaux. Si vous voulez avoir le code QR, vous pouvez faire une capture d'écran. Vous aurez maintenant alors le code QR du projet entrepreneuriaux. Donc, après, est-ce qu'il y a d'autres qui veulent faire une capture d'écran? Donc, c'est le temps. Donc, on continue alors. Donc, je vais aller voir le premier atelier ici. On a. Tu peux me dire ton prénom? Je m'appelle Amélie. Amélie. Alors, Amélie, qu'est-ce que tu fais, toi, présentement? Ben, moi, nous autres, on a un programme, ça s'appelle Envol. Ça, c'est des volets que les élèves s'inscrivent là-dedans, puis ça se passe une fois ou deux semaines, puis c'est deux périodes d'intervalle qu'on fait ça. Puis nous autres, notre volet, c'est on fait des planches décoratives avec des phrases éducatives, puis comme ça, c'est notre premier projet, puis ça, c'est des porte-clés. Puis on a d'autres projets après. D'accord, OK. Et qu'est-ce que vous faites ça? Vous les vendez? À qui vous vendez ça? Le monde qui vient ici. Là, c'est la première fois qu'on vend des affaires de notre compagnie, puis c'est 5 $. C'est 5 $ ici. Donc ici, aujourd'hui, nous, si on veut des beaux crochets avec des messages, donc on peut les acheter. Et donc, on peut les ramener. Et donc, si j'ai des abonnés qui en veulent, ils ont juste à me dire, je prends la commande, je le ramène si c'est des gens que je connais. Hein? Donc, je peux le ramener. Donc, si vous en voulez, donc vous pouvez prendre vos commandes, c'est le temps. Donc, merci beaucoup, Amélie. C'est ça, Amélie. Merci beaucoup, Amélie. Très gentil. Tu vas aller voir d'autres projets en ton local. Merci beaucoup. Ah, bonjour Benoît, bonjour, j'ai manqué le début. Quel niveau scolaire? Ah, je pense que c'est tous les niveaux scolaires qui sont ici. Hein, c'est ça? Oui, tu peux me dire ton prénom? Mon nom, c'est Gabriel Bouchard. Damien? Gabriel, alors Gabriel. Alors Gabriel, qu'est-ce que tu fais toi? Moi, c'est je quoi? Fais des chandails. Des chandails? Alors, comment ça fonctionne ça? Dis-moi donc ça. Ben, on met le chandail, puis on a trois étapes. Le dernier, c'est pour les... Ça, c'est le symbole de l'école, c'est oui. Ça? Puis on fait juste ça, puis on le teint comme ça. Ah ah! Tu mets la couleur là, puis tu vas étape par étape, couleur par couleur, c'est ouais. Ça? Puis après, on fait sécher par couleur. Par couleur. Donc, chaque plateau, c'est une couleur. Oui. C'est ce que je comprends. Donc, ici, on avait le vert au début, ici, on a le doré. Puis ainsi de suite, on fait le tour et avec les différentes couleurs, on arrive à faire le motif multicolore sur le chandail. C'est ça? Oui. OK. Et vous, ces chandails-là, c'est pour qui ça? Vous faites quoi? Ben, on fait ça pour n'importe qui. On les vend ici. Vous les vendez ici? OK. Alors, c'est combien le chandail? C'est 10 $. C'est 10 $ le chandail. Alors, ce sont des chandails faits par des élèves. Alors, la diffusion est en français. Désolé pour les gens qui parlent anglais. Donc, these are t-shirts. Made by students at the school. Donc, they're making these t-shirts by themselves with this equipment. Donc, avec cet équipement-là, avec les installations qu'ils ont là, ils arrivent. Et donc, on a ici Gabriel qui nous a expliqué le procédé pour imprimer. Donc, Gabriel qui nous a expliqué le procédé pour imprimer en plusieurs couleurs. Et merci, Gabriel. Merci. Alors, bonjour, bonjour, madame, mesdames, comment allez-vous? Pouvez-vous me dire votre prénom? Tu parlais bien fort, on t'entend? Oui, c'est Marie-Pierre. Marie-Pierre, et toi, c'est oui, quoi? C'est Frédéric. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous? On vend du baume à lèvres. Du baume à lèvres? Ouais. Ah, et c'est ça ici, là? Oui. Alors, donc, qu'est-ce que vous faites avec ce baume à lèvres-là? C'est pour qui, ça? Tu peux l'utiliser pour faire comme les lèvres. Même pour les égratignures. Oui. OK. Mais aussi, on peut s'en servir comme un baume à lèvres. C'est ouais. Ça? Oui. Ah, ben c'est super. Puis là, vous vendez ça ici, vous? C'est votre oui. Projet, c'est ça? Oui. Alors, vous en vendez. C'est combien ça? 1,50 $ pour un baume à lèvres. Donc, si j'ai des gens qui ont des commandes, ils peuvent en commander. Puis je vais revenir avec ça dans mes bagages. Je vais leur en apporter, c'est ça? D'accord, bien merci beaucoup, mesdames. Alors, ici, on a deux jeunes hommes. Alors, messieurs, c'est quoi votre projet, vous, ici? Qu'est-ce que vous faites? On
On fait des planches au fromage. Vous faites des planches à fromage? Ah, comment vous faites ça? On prend le pain, puis après ça, on met l'eau. OK. Oui. Voilà là. Et, oh, ça brûle! Ouais. Et ça fait la marque. Puis après ça, on fait ça et ça. OK. Puis après ça, on prend un papier aussi. On met de l'huile de canola. De l'huile de canola, d'accord. On attend partout. Partout de l'huile. Pourquoi vous mettez de l'huile? Pour que ça protège le bois. C'est pour protéger le bois. Ah, c'est super. Très intéressant. Et là, ici, c'est ça que ça donne au total. Hein? Une belle planche de bois. Et là, vous vendez ça combien, votre planche à bois, vous? 10 $. Alors, s'il y a des gens qui ont des commandes, ils peuvent, mes abonnés, ils peuvent me dire, ah, j'en veux celle-là, puis je vais leur acheter ça pour eux, puis ils peuvent ramener ça à la maison. Elles sont superbes, vos planches. Hein? C'est bien, vous avez un séchoir pour les faire sécher après. Ah, ben c'est génial. Donc, la plancherie. Et voilà. Donc, c'est superbe. Merci beaucoup. Ah, vous avez des enseignants qui vous aident, hein? Je vois ça ici. Ils sont là. Est-ce que c'est un cours, ça, ici, quand vous venez faire ça? Pas vraiment. C'est juste comme une petite activité scolaire. Est-ce que vous faites ça pendant vos cours ou vous faites ça en dehors de vos cours? Pendant vos cours. Vous pouvez venir ici à l'atelier. C'est ça? Ah, bien, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Alors, merci, Gérard. Merci beaucoup à tout le monde. Donc, très bien. Donc, je vais retourner la caméra. Donc, ici, on était donc dans des projets d'entrepreneuriat. Donc, très intéressant. Les élèves qui ont des choses à nous vendre. Ah, si vous avez des commandes, passez-les-moi. Et puis, si je vous connais, seulement si je vous connais, je vais vous en acheter, vous en rapporter. Donc, bonjour Jean-François, tu es déjà ici, toi. Donc, non, pas Jean-François, c'est un autre Jean-François. Alors, je vous remercie. Alors, peut-être qu'il y aura d'autres diffusions en Periscope un peu plus tard dans la journée. Alors, je vous remercie. Oh, from Maine. Hi from Maine. Bonjour, merci. Merci, Richard. Bonjour, Jean-François. Bonjour, merci, Jean-François. Donc, vous réécouterez en rediffusion. C'est un atelier de projets entrepreneuriaux qu'il y avait ici. Donc, je vais aller vous remontrer le code QR. Donc, si jamais vous ne l'avez pas pris, vous pourrez prendre une capture du code QR. Donc, nos projets entrepreneuriaux. Donc, s'il y en a qui veulent enregistrer ça, vous pouvez faire des captures d'écran présentement. Donc, ça vous permet d'aller voir le projet de leur projet entrepreneurial. Merci, Jean-François. Donc, on se revoit peut-être plus tard. Donc, bonne journée, à plus tard. Merci.